Et c'est parti pour l'atelier. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Puis bonjour le monde sur Facebook qui nous écoute. On en profite, c'est ça, pour faire un atelier au Camp Jazz. On est 20 là, à peu près. Puis c'est ça. Puis j'ai décidé de diffuser en même temps sur Facebook, de partager aux gens qui n'ont pas la chance d'être au Camp Jazz, hein, comme nous autres. Oh! C'est cool! Donc, ça va être un atelier de plein de trucs parce qu'il y en a qui cumulent des questions des fois. Puis aussi, vous savez que moi, mon dada, c'est la formation de l'oreille ou l'entraînement auditif. Je me fais un plaisir de l'appeler comme ça parce que la traduction de ear training en français, c'est formation auditive, mais moi, j'adhère plus à entraînement auditif parce que c'est de l'entraînement, c'est de former une musculature au niveau de l'oreille. Puis c'est plus on en fait, plus on devient bon. C'est pas d'en faire une fois par mois qui va faire que... C'est comme un entraînement physique. Dans le fond, c'est faire une fois par mois, t'en viens pas à bout. Tu oublies tout le temps tout comme un entraînement physique. Donc, il faut garder des mémoires. Fait que l'entraînement auditif, je trouve qu'il faut le faire tout le temps. Donc, puis il y en a ici là, qui ont un peu goûté déjà en ma médecine, dans ma petite formation. Puis j'essaye d'encourager ça le plus que je peux, de former l'oreille. Donc, j'ai envie de commencer déjà, on va vous réveiller avec juste un petit cycle de quinte, gentil. Vous allez chanter en 1, 3, 5, 7. Bon matin tout le monde. Donc, on chante les chiffres, 1, 3, 5, 7, et on fait le cycle comme ça, quelques tours, puis après ça, on va compliquer la chose. On y va. 1, 3, 5, 7. OK. Donc là, on remarque la difficulté des fois, c'est quand on a à changer de registre d'octave. Ça, c'est le problème. Puis ça, il n'y a pas d'autre truc que de le faire souvent. Puis à un moment donné, ton corps, il a une mémoire de dire, hey, moi, je sais que quand j'arrive dans ce coin-là, c'est trop bas pour moi, je vais être obligée de changer d'octave. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'il faut faire dans ton auto quand tu t'en vas, quand tu es en déplacement quelque part. Tu fais tes cycles de quête dans ton auto, tu viens de rentabiliser un temps d'auto, puis d'entraîner l'oreille en même temps. Puis plus on le fait, puis c'est pas juste des écouter les cycles de quête, il faut vraiment les chanter. Parce que c'est là que ta voix apprend la mémoire de ton registre. OK? Puis, le but de faire ça, puis de dire en plus les chiffres, première chose, c'est de commencer à entendre les progressions d'accords. C'est le but ultime de la chose, ou les accords. Puis, le fait de le faire en cycle de quinte comme ça, nous prépare à dire « j'ai le 5 », parce que c'est les accords dominants comme ça, c'est les accords de degré 5, veulent toujours se résoudre sur leur 1. Donc, celui-là, qui a cette construction-là, qu'on appelle l'accord dominante, il est construit d'une triade majeure et d'une septième mineure. C'est le seul degré de la gamme majeure à quinte, comme ça. C'est le seul degré qui est construit comme ça. Les autres, il y en a d'autres. Puis lui, triade majeure, septième mineure, c'est ça. Puis, il appelle vraiment sa résolution-là. Si je vous joue un dominant, et vous chanterez le 1 qui va avec ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est
c'est la première chose, il faut développer ces réflexes-là. Puis vous pouvez déjà noter dans vos notes quand vous allez maîtriser cet aspect-là, de trouver tout de suite le prochain 1, hors contexte, parce que quand on le fait en cycle, c'est quand même assez prévisible, mais hors contexte, quand tu l'as trouvé, là, ben ça, si tu veux t'ajouter un niveau de difficulté qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire aujourd'hui, c'est de faire « je joue 2 » et « je trouve 5-1 ». Et parce que 2-5-1, c'est la progression la plus utilisée en jazz. Puis, on va la regarder un petit peu plus tard. Fait que marquez-vous ça dans vos notes. On va peut-être y toucher un petit peu plus tard pour ça. Bon, là, on a fait notre cycle de quête, 1-3-5-7. Ça allait bien parce qu'on entend, on entend bien ça. Le but aussi de ça, c'est, puis là, je vais parler aussi de ceux qui sont en jazz vocal plus précisément, mais aussi les instrumentistes, les vents, tout ça, qu'il faut développer vraiment notre oreille pour entendre ce qui s'en vient. Donc, en chant jazz, principalement parce que c'est mon instrument que j'en parle, si je choisis que dans mon improvisation, sur la mesure d'après, je veux partir sur la tierce parce que je connais une ligne super cool qui part sur la tierce, bien, je dois pouvoir entendre l'accord suivant d'avance pour pouvoir aller choisir ma tierce puis partir ma ligne sur la tierce. Contrairement à un pianiste, il voit sur la feuille puis il voit que le prochain accord, la tierce, c'est faire. Il va aller peser dessus, puis ça va y aller tout seul, il ne se posera pas la question. En chant, la difficulté est différente qu'on a. On a donc facilité, mais ça, c'est une de nos difficultés, c'est d'entendre ce qui s'en vient, puis d'être capable d'aller dessus d'avance. C'est pour ça qu'on fait tous ces exercices-là d'entraînement auditif. C'est vraiment pour pré-entendre ce qui s'en vient, puis de toute façon, ça aide pour tout, ça aide pour transcrire des partitions, des solos, des accords, des progressions. Donc là, on se donne un petit défi. On a fait un 3-5-7. C'était quand même facile et prévisible. Donc, on va en faire un autre qui commence par 1. On va filer gentil aujourd'hui, parce que c'est quand même le matin. Oui, c'est le matin. Ah oh, ouais, on a des défis. C'est pour ça qu'on a des choses. Tu veux un défi? Ah oh, ouais, on commence à 3. Non, commencez à 1, mais un moins facile. Là, j'ai été au feeling, si vous ne l'aimez pas, on changera. Fait que ce qui est intéressant quand on travaille ces cycles de quinte-là, en plus, veux pas quand tu travailles des intervalles aussi, là. Hein? Fait que ça va être la quinte juste, la tierce mineure, puis le triton. Fait qu'en même temps, mais là, tu ne le dis pas, là. C'est pas je m'en viens travailler tout ça. Non, non. Tu fais ton cycle de quinte, puis tu t'en rends pas compte, puis tu le travailles. C'est ça qui est cool de toutes ces affaires-là. Puis c'est ça que j'essaie de mettre en place le plus possible dans mes formations. Puis tout ça, c'est je travaille, mais je m'en rends pas compte. Je place des affaires, puis ça se fait tout seul, finalement. Fait que 1, 5, 7, 3. OK. Fait que donc, j'ai ma quinte juste. Ça, c'est mineur. Puis là, c'est difficile à trouver et à placer. Puis quand vous faites ces choses-là, soyez super exigeant avec vous. Laissez pas passer une note à peu près, là. Ça sert à rien, tu vas placer un faux pli, puis tu vas te mettre dans le trouble pour plus tard. C'est aussi bien, là, si t'es dans ton auto, tu le fais, mais sans... hier, on disait, j'entends la petite voix d'Élise dire, hey, il me semble que ça pourrait être plus juste que ça. OK, ben, trouvez-vous un petit bonhomme qui va vous dire, ça peut être plus juste. Donc, soyez super exigeant avec vous-même quand vous travaillez ces choses-là. Fait qu'on l'essaye lentement, 1, 5, 7, 3. Okay? Avec les chiffres, toujours. Les chiffres vont vous aider plus tard aussi à repérer les rôles des notes dans les accords. Donc, on y va. 1, 5, 7, 3. 1, 5, 7, 3. Oh.
souvent là qu'on accroche. On continue. Chiffres qu'on peut inverser, partir sur 3, sur 5, sur 7. Puis après ça, si vous voulez, je peux vous mettre en fichier la liste des possibilités. Puis des fois, moi, je me donne le défi de faire toute la liste, un de chaque, en cycle de 15. Ouais, ça devient un peu. Mais là, ce qui est intéressant de tout ça, c'est qu'on n'apprend plus. Regardez, mettons, on vient de faire. 5, 7, 3, 1. Éventuellement, tu deviens paresseux et tu apprends la relation entre les deux. Ah, j'ai juste à monter d'un demi-ton. Super. Mais le but ultime, c'est pas ça. Le but ultime, c'est d'entendre l'accord suivant au complet puis d'avoir le choix sur quel accord je vais commencer, sur quelle note je vais commencer. Donc, le but ultime, c'est pas d'apprendre le petit demi-ton entre les deux. Là. Ça donne rien de faire ça. Parce qu'en contexte réel, ça servira pas. Par contre, quand tu entends l'accord au complet qui s'en vient, puis tu décides, ben, pour celui-là, je vais partir sur la quinte. Mais ça, c'est cool. Fait que le fait de les faire tout mêler, ça fait que finalement, on choisit sur. On entend d'avance l'accord d'après, puis là, après ça, on décide nous-mêmes sur quel accord, sur quelle note on part, quel rôle de la note on part. Okay? Fait que ça, c'est un beau petit challenge. Là, j'en ai fait un, je pense, dans une de mes capsules de cycle de quinte. Tout mélanger là, pour te donner une idée un petit peu qu'est-ce que ça peut faire. Mais ça, c'est le fun, tu sais. On n'arrête jamais d'apprendre ça. C'est ça qui est trippant. Même moi, là, ça fait 18 ans que j'enseigne au cégep, puis je me donne encore des challenges dans mon auto en m'en allant travailler, juste pour me garder les oreilles en forme, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça finit jamais. Tu n'as pas besoin de piano pour faire ça. Là. Tu peux le faire, pas de piano. Il faut juste que tu prennes le temps de le faire. Puis c'est fun, t'as pas besoin d'outils, t'as juste besoin de dire bon, mais ok, là, je vais en faire 2-3 minutes, là, en attendant dans l'auto ou en faisant la vaisselle. Ou... Puis il y en a que finalement, il y a les conjoints qui finissent par en faire. Oui. C'est pas mal. Ok. Bon, suite à ça, pourquoi les chiffres? Parce que c'est fun, ben là, je vais faire une petite parenthèse jazz vocal, entre autres, que j'explique aux étudiants, puis aussi en chorale, là, mes étudiants du cégep qui regardent ici vont se reconnaître, là. En chorale, peu importe quelle chorale, je trouve que c'est tout le temps pertinent de savoir le rôle de la note qu'on chante et non par rapport à ce qui a été chanté avant ou par rapport à ton ami qui chante quoi, je suis à côté, je suis une tierce au-dessus. Ça, c'est moins important, selon moi, que de dire, hey, moi, dans cet accord-là, j'ai la quinte. Okay? Et quand tu sais que tu as la quinte, peu importe ce qui va se passer autour, les gens vont prendre le chant en chorale à côté de toi. Toi, tu sais que dans l'harmonie, tu as la quinte. Tu ne peux pas te tromper. Ta note, elle va toujours être la quinte. Fait que si tu calcules un intervalle avec ce que tu as chanté avant ou ce que l'ami a chanté, des fois, ça peut être un petit peu hasardeux ou risqué de le faire. Par contre, quand tu as ton rôle de note, ça peut pas se planter. Un drôle d'exemple, là, j'ai deux copines qui vont se reconnaître. On avait eu un contrat TV, puis on avait une toune à apprendre le matin, puis on était TV par cœur le soir live. Puis, on n'avait jamais entendu la chanson, on reçoit la pièce le matin, on est trois choristes pour l'humoriste de Just for Laugh qui va faire sa prestation. Fait que moi, j'écris. OK. Moi, je suis au milieu. J'écris tiers, Puis là, mon amie Virginie écrit « En dessous d'Élise ». Puis Danica, elle écrit « Au-dessus d'Élise » dans ses notes. Mais tu sais, c'est correct, on a chacun nos trucs, puis ça marche. Fait qu'on fait nos répètes, ça marche. On arrive TV, live, on fait nos affaires, on débarque, là, les deux sont comme toutes frues. Mais là, je t'entendais pas dans mes oreilles. Moi, j'étais là, ben ça a bien été, tu sais. Moi, je tiens, je quitte, j'écoute le band, puis je fais mes affaires, tu sais. Mais là, les deux, ils étaient là. Hey, j'étais pensant que c'est bizarre, ça sonnait pas comme on répète. Non, mais je t'entendais pas. Fait que là, ils étaient plus autonomes.
mais tu sais, sont écœurantes, c'est des super chanteuses. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'on n'a pas développé le même truc. Puis là, je me suis rendu compte que mon truc à moi, il m'a sauvé vraiment. Parce que c'est un truc infaillible. Là. Ça se peut pas que tout le band ne joue pas l'accord. Ça se peut pas. Fait que c'est pour ça. Fait que je vous mets au défi de deux façons. Première façon, je vous mets au défi simplement. Chantez-moi la quinte de cet accord-là. Donc, dites-vous les chiffres dans votre tête. On va faire des 1, 3, 5. Ouais, 3, 5 pour l'instant. OK? Un autre. Chantez-moi la tierce. Chantez-moi la quinte. Mais je complique un petit peu l'accord. Okay. Chantez-moi la tierce. Fait que là, j'ai joué un accord majeur 7. Faut pas trop se préoccuper de la septième. On chante encore notre tierce. Super. Chantez-moi la quinte. Maintenant, la neuvième. La neuvième, c'est comme deux. Hein? Fait que tu dis un, deux dans ta tête. Et chantez-moi neuf. C'est tellement beau, les neuvièmes. Ouais. Puis prenez le temps d'aller placer dans l'accord. Ça sent super cool. Un autre neuvième. Chantez-moi la septième. Fait que là, ça complique un peu parce que je ne vous dis pas quel accord je joue. Fait que c'est une septième majeure, c'est mineur. Il faut bien écouter. Oui, vous l'avez, la septième. Une autre septième. Écoutez bien. Le 11, il fait joli sur du mineur 7 ou mineur 7 bémol 5. Le truc, c'est de chanter Smoke on the Water. Ça, c'est notre 11. Chantez le 11. Ça, c'est 11. OK? Donc, je vous en joue un autre
différent. Pause. Oui. Da, 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 da. Avec vos doigts. Pas donner la réponse tout de suite à ceux qui sont sur Facebook. C'est plus simple. Là, quand c'est moi qui la donne, oh, là, on a une autre difficulté. OK. Ça semble un peu plus difficile. Donc, je vous ramène à mon métier de choriste aussi. Et mon métier de choriste, c'est ça. C'est de me dire, la choriste du bas fait la quinte, la choriste du haut fait la tierce. On est autour du thème. Okay? Fait que ça, c'est le genre de choses que je me note, moi, dans mes paroles. Quand j'ai quelque chose, je me souligne la phrase que j'ai à faire des cœurs. Je ne fais pas des partitions pour tout. Mais j'écris toujours mon chiffre que moi, j'aurai à faire. Comme ça, je fonctionne en chiffre. Dans le contexte de l'accord. Donc, ou des fois dans le contexte de la pièce, là, ça dépend. On a chacun d'autres trucs. Mais ça, c'est comme ça que je fonctionne. Fait qu'il faut développer ça assez rapidement aussi pour trouver. Puis, quand, de toute façon, quand vous repiquez, vous transcrivez quelque chose, il faut savoir c'est quelle note ça dans l'accord que vous êtes en train d'écrire. OK, un autre. Intéressant, je vais faire une petite parenthèse. Hier, on a parlé dans le masterclass un peu du tempérament juste ou égal. Ça a été glissé par Denis Mailloux hier à l'atelier. Mais le tempérament juste égal, n'as-tu qui savent qu'est-ce que c'est? OK, je vais le résumer rapidement. Le piano est bien tempéré, c'est-à-dire qu'entre chaque ton, le demi-ton est égal à mi-chemin. Dans le milieu du ton, OK? Ça, c'est égal, tempérament égal ou bien tempéré, tout ça. Puis, mais nous, les vocales, les vents, les violons, beaucoup d'instruments, dans le fond, on a le pouvoir de jouer là-dessus.
Puis, j'ai fait une petite capsule qui s'appelait « La justesse de la tierce ». C'était pour remarquer que quand on chante la tierce majeure ou la tierce mineure, ils ne sont pas à la même place. Vous allez voir la capsule, je ne ferai pas l'exercice ici, mais l'exemple de 6 et 13 aussi est fascinant. Parce que 6 et 13, c'est la même note sur le piano. Et si j'ai l'accord de Do7, là. OK, mon La, ça va être 13. Mais si j'ai l'accord de Do majeur 6, c'est juste 6 et c'est le La aussi. OK? Mais je vais chanter, quand je vais chanter un La du Do 6, je vais avoir tendance à le faire plus haut que 13, que si je rajoute la 7e dans l'accord. Là, j'ai envie de le chanter plus bas que quand il est dans le rond, dans 6. Moi, je l'aime plus bas. Je trouve qu'il fit mieux dans mon accord. Il y a quelques notes comme ça que même si tu vois, c'est la même note, c'est la même basse de mon accord, mais selon le contexte, on va pouvoir jouer avec d'autant plus. C'est d'autant plus payant de savoir quelle note tu es en train de faire. Parce que justement, si tu sais que tu as la 13e, ben, tu vas, quand la faisant un petit peu plus bas, ça va faire comme « Ah, oh, ça sonne le feu! » Ça fait vraiment une différence. Là. À la longue, on l'entend. Fait que je voulais juste vous porter une petite attention spéciale sur le tempérament des notes. Pour les gens qui ont le pouvoir dessus, là, c'est vraiment trippant jouer avec ça. Puis aussi, c'est le défi quand j'ai des étudiantes, souvent des étudiantes en chant jazz, cégep université, qui ont l'oreille absolue. Et ils arrivent en chant jazz, ils font comme « Ah, ça va être facile, j'ai l'oreille absolue. » Hein? Ils me connaissent mal, mais non, ils finissent par me connaître, puis il y en a qui font comme « Ok, moi. » Parce que moi, c'est toujours des rôles de notes qui doivent me dire « C'est pas le nom, j'en ai rien à cirer du nom de la note, là. Ça me sert à rien que tu me dises le nom. » Par contre, que tu saches que tu es en train de chanter une tierce mineure, c'est super important. Fait que donc, je trouve ça plus important, les gens qui ont l'oreille absolue, qui nous écoutent, là, lâcher les notes, là, puis penser en chiffres, là, puis vous allez grimper un peu le niveau de difficulté, parce que justement, les gens qui ont l'oreille absolue, ils font comme si tout est facile, puis tout est nono. Mais quand tu embarques les chiffres, là, ça vient de changer de dynamique un peu. OK. Là, je vous ai fait un peu travailler les oreilles. Là, il y avait plein de questions, puis ça va vite, hein? Je ne sais pas où aller, il y a trop de choses. Y a-t-il des demandes spéciales? OK, je vais faire un petit FAQ. J'ai reçu des questions, juste pour le fun. J'avais fait des réponses écrites, donc je vais vous lire les questions. Et j'ai reçu des questions. Quoi pratiquer pour développer son oreille quand la formation auditive nous fait peur et qu'on a déjà que 30 minutes par jour à consacrer à son instrument? Puis aussi, la question continuait où je les ai mis ensemble. Comment trouver des façons de pratiquer sans son instrument, en chantant durant une pause, au travail, en voiture, en train? Bien, c'est exactement ça que je préconise. Travaillez justement quand vous n'avez pas le temps. Rentabilisez les petits temps là, d'attente. Là. C'est n'importe quand que tu peux faire un cycle de 15. Arpéger des accords dans les deux sens. Ça a l'air niaiseux, hein? Une dominante, on a fait tantôt. Une dominante, hein? 1, 3, 5, 7. Mais 7, 5, 3, 1, là, ça a l'air bien niaiseux, mais c'est pas si niaiseux que ça. On essaye. Celui-là. 7, 5, 3, 1. Là, je nous sors du cycle de 15. Je vous donne une autre. 7e. Un peu. Ça, c'est la 7e. Descendez-moi un dominant. 5, 3, 3, 1. 5, 3, 1. OK, fait que là, notre petit accord dominant, nono, de tantôt, là. OK, il n'y en a pas de limite. Tu trouves ça facile? Viens me voir. Je vais te donner du trouble. Ça se peut pas que ça soit tout facile. Donc, tu veux rentabiliser ton oreille, tu as 5 minutes, fais-toi des accords de dominante à l'envers, fais-toi. Il y a plein de possibilités. Bien sûr, ceux qui font la formation, chanter des chansons en chiffres. Ça, c'est. T'as pas besoin de piano pour faire ça, puis t'as pas besoin de rien. Tu peux faire ça dans le parc, là. Tu chantes Frère Jacques, puis tu mets des chiffres.
à la place des notes. Puis si ça va bien, tu peux décider de mettre tes notes aussi. Okay, moi, je n'ai pas l'oreille absolue, désolée pour ceux qui l'ont, ça va faire mal. Mais si je chante Frère Jacques, do, ré, mi, do, mi, fa, sol, bon, ça va bien. OK, fa, sol, la, si, do, ça va bien. OK, si, do, ré, c'est bien. Je n'ai pas l'oreille absolue, c'est merveilleux pour ça. Mais vous comprenez? Fait que quand, ça, c'est tout le temps, quand tu places des petites chansons comme ça avec des chiffres, les intervalles dans ta tête se placent aussi. Fait que c'est tout le temps de l'auto-enseignement. En fait, moi, c'est mes jeux que j'ai tout le temps fait. Je faisais tout le temps ça. Moi, je ne savais même pas que j'étais en train de m'auto-enseigner tout ce temps-là. Ça fait pas longtemps que j'ai réalisé ça. Mais j'étais toujours en train de me challenger l'oreille. Donc, quand c'est trop facile, augmente ton niveau de défi tout le temps. Mais ça n'a pas de limite, là. Tu entends une chanson en radio que tu as tout le temps dans la tête, c'est le temps de mettre des chiffres, là. Hein? Si tu l'as dans la tête, là, tu n'as plus besoin de piano pour aller vérifier bien, tu l'as dans la tête. Puis quand tu as un problème avec une distance, nana, 1, 2, 3, 4, 5, ou bien do, ré, mi, fa, sol, tu fais ton chemin, puis une fois que tu as le chemin, l'intervalle, ton cerveau, il l'a assimilé, puis après ça. Puis c'est pour ça qu'on devient aisé avec la lecture à vue, puis toutes ces choses-là. Oui. Dis-moi, Élise, tu pars où ton 1 quand tu pars avec les chiffres? La tonne à part à radio, je l'ai où, là? 1? Tu pars avec Dans les chansons, en fait, des fois, il faut se rendre à la fin de la chanson pour entendre le 1 ou au refrain. Ou... Fait que, oui, il faut prendre le temps d'écouter quand même un petit bout de chanson pour dire pour placer ton 1. Parce que, tu sais, si tu chantes Bonne fête, là, si tu fais 1, là, ça ne marche pas. Parce que quand tu es à la fin. Des fois, il faut se rendre à la fin pour dire, être confirmé et être certain que ton 1, c'est bien ça. Okay? Mais souvent, dans les tunes pop, Bruno Mars, tout ça, ton 1, ça va être ton refrain. Là. C'est ça, au refrain, tu vas avoir un gros 1 quelque part. Okay? Fait que des fois, il faut l'écouter un petit peu plus longtemps. Dans le fond, le truc que je donne aux étudiants au cégep quand on pique des chansons, j'arrête la pièce. Puis là, je dis, chante un. OK. Ah, là. Tranquillement, là, tout le monde a son 1. Là, on peut continuer à écrire nos accords. Il y avait une question? Oui, ça, c'est dans le cas des chansons, on va dire. Dans une tonalité, quand on chante de tonalité, quand on est sur le converti. Ah, qu'on module. Quand on module, ben, il faut tout moduler le paquet de chiffres aussi. On s'entend, travailler les chiffres comme ça, je ne dis pas que c'est un loisir, là, mais dans le sens que c'est un outil super trippant. Mais moi, je ne peux pas l'appliquer, mettons, dans les cours d'analyse écriture que je donne au cégep. On met des degrés, puis oui, quand on module, on module. Mais tu sais, quand on le fait comme ça de façon informelle, allez-y pas trop stresser avec les règles et ces choses-là. C'est comme, là, c'est juste, hey, faut que j'en fasse là. Il faut que je travaille mon oreille, je vais prendre tous les moyens, les chansons pop. Dans le jazz, oubliez ça. Là. Cherchez pas un dans le jazz, là, parce qu'on module 12 fois dans les bulles. Donc, approchez pas le jazz tout de suite pour former votre oreille, c'est la pire place. Mais par contre, plus vous formez l'oreille avec les petites choses, tranquillement, pas vite, vous les entendez dans le jazz. Hey, ça, j'ai déjà entendu ça, je reconnais. C'est le vocabulaire que j'ai travaillé isolé, puis finalement, je le reconnais dans des standards jazz. Pour se rendre compte qu'éventuellement, les progressions d'accords dans les standards jazz, c'est toutes des mini-formules. C'est toutes des petits paquets. C'est pour ça que moi, je les entends quand même plus facilement qu'avant. C'est que finalement, j'ai compris que c'était juste des petits paquets. Un musicien qui va transposer Autumn Leaves, il ne va pas y aller accord par accord. OK, je vais faire une carte plus haut à chaque symbole que je vais voir. Tu vas être fou. Tu fais des paquets. Tu fais des formules, fait que tu dis, ben, j'ai la formule telle, puis je la fais une carte plus haut, ma formule. Après ça, je monte d'une tierce, puis je fais une autre formule. C'est comme ça qu'on transpose. Au lieu de faire accord par accord, ça serait pas le fun. Moi, je pensais que mes profs faisaient ça, j'ai trouvé donc hot. puis là, je disais, je serais jamais capable. Puis le jour où j'ai compris les formules, je fais, hey, ben, quand même, moi, tout, je suis capable, c'est cool.
finalement, c'est des formules. Oui? Oui, je comprends que tu déplaces ton 1, comme on montre tantôt, mais suggérerais-tu peut-être, quand tu es dans l'auto ou peu importe, de se donner avec un petit diapason là pour au moins avoir un genre de barème quelconque, parce qu'on peut dire 1-5-1-5-1 tout le temps, mais sans trop savoir si c'est un do ou un la ou... Il y en a pour qui sont plus sensibles au nom des notes, ouais. Ce qui n'est pas mon cas, mais il y en a pour qui ça... Fait que j'ai pas la réponse absolue à ça, j'ai pas la vérité non plus. Mais il y en a pour qui ça va être important de savoir où ils sont dans leur registre. Moi, je m'en fous tellement. Pour moi, c'est tout des do, puis c'est tout des fa, puis c'est tout des 1. C'est correct. Moi, tant que mon contexte il est total, puis il est assumé, j'ai pas besoin de nom de note. Mais ça, c'est moi, hein, puis c'est vraiment personnel à chacun. C'est pas le nom de la note en tant que tel, mais savoir qu'à un moment donné, je sais pas, donne-moi un la, mettons, au moins, tu donnes un la, tu pars à partir de ça, mettons. Fait qu'au moins, tu vas avoir le la dans ta... Mais il y en a, stabiliser, il y a des gens pour qui c'est important d'avoir ça, de développer l'oreille absolue, puis tout ça. Moi, je vous dis, j'ai eu une petite passe quand j'étais au cégep, là, je dis, moi aussi, je vais me cogner un diapason sur ses oreilles 22 fois par jour pendant 3 semaines, là. Mais honnêtement, ça n'a rien donné. Puis je trouve que personnellement, là, pour avoir vu les gens qui ont l'oreille absolue subir ma médecine, moi, je ne voudrais pas avoir l'oreille absolue, là. Je trouverais ça encombrant. Mais il y en a pour qui c'est important. Et que je le sais, sur Facebook, il y en a qui, vous pouvez commenter, mais il y en a pour qui, là, puis mon amie Geneviève Jaudouin, qui chante, elle, pour elle, c'est important de savoir où elle a une mémoire de une note, qu'une fois, un de ses profs de chant, il a crié dans l'oreille, puis elle a l'oreille absolue de sol. C'est fascinant, mais ça m'a toujours impressionnée. Et moi, je l'ai zéro, là, l'oreille absolue. Mais c'est correct, je me suis développé d'autres outils, puis ça fonctionne. Donc, j'ai été longtemps un peu complexée de ne pas l'avoir, mais maintenant, je me suis développé mes outils qui fonctionnent super bien. Puis dans le fond, ce que j'aime des outils que j'ai développés, c'est qu'ils peuvent aider n'importe qui. Ça ne prend pas un don inné, là. Il faut juste un peu de travail et un peu de motivation. Je trouve ça encore plus trippant parce qu'il y a plus de monde qui peut les essayer. Michel, tu as une question? En liminal, est-ce que tu penses que ton 7 ou un 6, ou tu penses que ton 1 liminal, c'est ton 6 qui est important? C'est une très bonne question, puis même j'ai de la misère à te répondre. Ça va dépendre. Ça dépend vraiment de chacun, puis de même moi, je varie. Des fois, je vais avoir mon 1 en mineur, puis des fois, je vais être dans la relative majeure. Vraiment, c'est sur le moment. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas une méthode... avec un saut d'approbation, c'est un peu le do mobile que les Américains utilisent. Puis moi, je trouve ça génial, le do mobile, parce que eux, les degrés, c'est des do, ré, mi, fa, sol, puis les notes, c'est des C, D, E, F, G. Ils ont deux systèmes, puis ça, c'est cool, mais nous, on est pognés avec le même système. On est pognés avec nos do, ré, mi, fa, sol, on peut plus. Mais il y a des écoles en France qui ont gardé do, ré, mi, fa, sol pour les degrés. Mais là, il y en a qui chialent, que hey, ben là, c'est le bordel. Puis c'est vrai, c'est un peu mêlant. Hein. Fait que. Mais moi, j'adapte beaucoup au do mobile. En fait, c'était ma première école. C'est quand j'étais tout petite, c'était tout en do, les chansons que j'avais dans ma tête. Là. Quand j'étais jeune, là, puis que je prenais une marche, là, ben, c'était des chansons en do. Puis après ça, j'ai mis ça en chiffres. Mais, fait que c'est vraiment un petit peu personnel à chacun parce que c'est pas une méthode officiellement enseignée, approuvée, ministérielle et tout ça. Mais c'est un tellement cool outil de travail que c'est pour ça que je vous dis, faites-le pareil, là. Même s'il n'y a pas le saut d'approbation. Dans le fond, peu importe la méthode que tu vas utiliser, tu vas développer des relations entre les notes, c'est ça qu'on veut, dans le fond. C'est comme la lecture à vue, là. Vous m'avez vu quelquefois à faire un peu de lecture ici, là. Les artistes nous amènent des affaires, des fois. Puis c'est... Quand je m'auto-analyse de ce que je fais, il y a un mélange de plusieurs choses. Il y a la lecture verticale, que j'ai parlé au Jazz Vocal hier. La lecture verticale, c'est-à-dire, j'ai le symbole d'accord, puis je me promène dessus, mon symbole. Je vois le symbole, puis je sais que je suis en train de faire 5, 1, 3, 7 du symbole. Fait qu'avec le band qui joue, ben là j'ai mon contexte. Donc là, le fait d'avoir travaillé ces choses-là, comme on a fait tantôt, d'aller vite sortir, j'entends quelque chose, puis je veux sortir ma quinte,
Et à ce moment-là, ça, pour moi, ça devient plus facile. Fait que j'ai ça comme outil, puis j'ai les intervalles que j'ai solidifiés longtemps. Fait que ces deux outils-là m'aident à faire des lectures un petit peu plus compliquées, finalement. Fait que c'est ce que je vous encourage à développer. Les deux systèmes sont super utiles, puis combinés ensemble, ça devient complètement... Ça devient vraiment fou, là. On peut faire plein de choses, là. Mais ça veut dire que si tu as un C, dans le Do puis un S et tierce, d'emblée, tu es capable d'entendre la tierce avant même que le D te donne l'accord. Oui. C'est ça direct, là. Si je les vois, oui. Ah, c'est ça. Ça, c'est sûr. Oui, mais ça se travaille. J'ai pas de don particulier, moi, là. C'est ça qu'il faut retenir, oui, là. Que oui. Non, vraiment pas. J'ai juste un peu de zèle et un peu de patience. Mais ça, tout le monde ici peut en avoir. J'ai rien de plus que vous, là. Je l'ai juste fait tout le temps. Et dans le fond, c'est ça, c'est tout le monde qui peut faire ça. C'est même pas... rajoute de l'eau, puis t'as un talent, là. T'as rien qu'à t'y mettre, puis tu vas le faire toi aussi. C'est une question d'entraînement. C'est de l'entraînement. Mais tu as eu aussi très souvent la chance de le mettre en application pour réaliser que ça marche. Oui, mais j'ai recherché les moments où le faire aussi. Puis, tu sais, juste pour vous justifier ça, là, ma sœur aussi est musicienne. Ceux qui ne le savent pas, ma sœur est musicienne. C'est une super musicienne. Timbalière à l'Orchestre de Longueuil, percu à l'Orchestre de Sherbrooke, puis elle a ses propres spectacles. En tout cas, une super musicienne. Mais on est à l'opposé musicalement. Elle n'a pas développé ces choses-là, elle. Fait que c'est pas où est-ce que j'ai grandi, même si... Mon père est musicien, c'est pas dans ma famille que ça s'est passé. Moi, j'ai eu plus de curiosité que ça, que elle, là-dessus. Puis c'est probablement là j'allais voir papa plus souvent pour ces choses-là, mais elle a pas eu cette curiosité-là, mais ça a fait une super musicienne pareil. Elle a d'autres forces que moi, j'ai moins. La rigueur, la discipline est super. Tu sais, elle, quand elle décidait qu'elle réglait quelque chose, là, elle s'acharnait, puis elle réglait, là, puis elle pouvait passer des. Elle travaillait. Pratiquer 4-5 heures par jour en percussion tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je faisais mon petit 3 heures, check, c'est fait, minimum, parce que le prof veut que je fasse 3 heures. Là. C'était même pas pour devenir bonne. Là. Moi, c'était pas ça qui me faisait capoter. Là. C'était OK, les accords, les notes, nanana. Puis, à l'orchestre symphonique à Sherbrooke, là, on est la section de percussion, c'est la mafia, les sœurs Béchard. Mais. Ma sœur, elle, si elle a 70 mesures à compter, elle compte 70 mesures. Ou elle va s'écrire « entrée de du bas ». Moi, j'ai 70 mesures à compter, je vais écrire « à 26, il y a une cadence rompue ». Puis je vais écrire « ah, on a modulé telle place, nanana ». Puis « ah, là, on entend la quinte au piccolo, je le sais que ça, c'est… » Fait que je m'écris des cues harmoniques, comme ça. Fait que si le tubiste ne rentre pas, bien la cadence rompue, elle se passe pareil. Ça, j'aime ça aussi. Ça me sécurise. Et puis ça entretient mon oreille harmonique parce que j'écoute en même temps. Au lieu de. Ben, je lis aussi une revue, mettons, si c'est vraiment long. Mais j'écoute aussi qu'est-ce qui se passe harmoniquement. Puis en plus, ça me permet d'amener des exemples dans mes cours d'analyse après. Hey, j'ai entendu cette semaine à l'orchestre un exemple de telle modulation dont je vous parlais. Ta. Mais ça, je trouve ça trippant parce que j'écoute la musique bien différemment que ma sœur. Pourtant, on vient de la même famille. On a grandi à la même place. Fait que c'est vraiment, ça veut dire que tout le monde ici peut développer ça. Là. C'est pas un talent. Là. C'est vraiment juste une curiosité que j'ai eue de plus que ma soeur. Puis, c'est ça. OK, hey, j'avais d'autres questions. Fallait pas. Tellement de choses à pratiquer. Comment établir un plan de pratique quotidien efficace et réalisable? Ah ben moi, je répondais à ça, pas besoin de plan, premièrement, parce que j'ai dit en faire un jeu, puis un défi à chaque moment. Moi, pour mon oreille, en tout cas, c'est toujours été un jeu, puis un défi. Puis je me challenge encore dans mon auto régulièrement, ou quand je fais l'insomnie, je fais des cycles de quinte. Là, j'en fais un peu, puis je fais « Ah, il est trop facile, là, ouais, force-toi ». Là, tu sais, c'est parce que ça finit plus. Fait que t'as pas besoin de plan. Si à chaque fois que t'as rien à faire, t'as envie de te challenger, tu le fais, c'est pas un plan que ça prend juste un petit peu de... un peu d'auto-motivation, puis ça y va tout seul. Puis sinon, pour ce qui est de la pratique à l'instrument, ben ça donne bien. Moi, cette année, la Jazz Coach, j'ai fait 3 capsules pour aider les gens à
à structurer leur pratique, justement, parce que souvent, moi, je m'inspirais des cégepiens qui arrivent du secondaire, qui ont tout le temps été en groupe, puis là, ils se retrouvent tout seuls dans leur local avec leur trompette pour 3 heures, puis je vais faire. Donc là, j'ai dit, ouais, pour petits minous, il faut que je les aide un peu. Donc, j'ai fait des plans de structure de pratique, un peu comme Andrew. Fait que vous pourrez aller voir ça sur le site, si jamais ça peut. Si vous aussi, vous arrivez, il faut que je pratique, mais je ne sais pas trop quoi faire. Là. Ouais, une petite façon de structurer, des fois, ça peut être un petit peu plus motivant. Prochaine question. Comment adresser un bilan de ses forces et de ses faiblesses sans but de sortir de sa zone de confort? Et pratiquer des choses difficiles, mais pas trop, pour avancer sans se décourager. Ah. C'est sûr. Mais moi, j'ai marqué, le bilan sera d'observer ce que tu entends, que tu entends des choses que tu n'entendais pas, dans le fond. Et on peut tout le temps s'améliorer. Fait que dans le fond, c'est juste le bilan, c'est le jour où tu entends quelque chose, tu fais « Ah, j'avais jamais remarqué ça dans cette pièce-là, que ça faisait ces accords-là. Ah, c'est là ton bilan. Yes, tu as assez pratiqué tes affaires que là, ils surgissent de nulle part. C'est « Wow, je les entends. » Ou dans ton improvisation, ben, tu as réussi à passer quelque chose que ça fait longtemps que tu gossais dessus, puis là, c'est sorti tout seul dans ton impro. Check. Yeah. J'ai assimilé quelque chose qui est devenu automatique, dans le fond. Mais demeurez toujours exigeant avec vous quand vous travaillez des choses. Travaillez pas des fois. Tu viens à ce que tu sais, est-ce que tu te situes? Oui, c'est ça. Tu viens au camp, là, tu fais, OK, ben il me reste ça à pratiquer, ça. OK. Comment comprendre que 5 minutes de pratique focalisée, intense et heureuse, valent mieux que 2 heures de zigonnage sans but sur son instrument? Je suis bien d'accord. Mais moi, j'ajoute à ça que c'est encore mieux de ne pas te rendre compte que tu pratiques. Moi, je me donne des défis que je ne me rends pas compte que je pratique. Comme ça, ben, ça passe encore plus vite. Je savais même pas que je pratiquais. En fait, dès jeune, là, c'est à un moment donné, c'est mon père qui m'a dit, « Tu sais que tu fais de la dictée, hein, tout le temps? »« Non! Arc! » La dictée, c'est une punition, là. Et moi, j'avais l'album de Pat Metheny, Still Life Talking, puis il y avait la dernière tune, Inner Family, que j'aimais tellement. J'avais demandé à mon père, j'avais comme 14 ans, là, de détuner le clavier des X7 pour qu'il fitte avec la cassette. Oh. Je passais des heures à repiquer ça, tu sais. Mais, dans le fond, je ne me rendais pas compte là, que je travaillais. Là. C'était pas bon. Il faudrait bien que j'aille. Non, non, non. C'était comme, oh, j'ai du temps, je vais aller faire ça. C'est ça, quelque part. Fait que le meilleur affaire, c'est de ne pas te rendre compte que tu pratiques. Ça passe tout seul. Au contraire, tu manques de temps. Tu es comme, oh, j'ai hâte. C'est encore mieux comme ça. Comment comprendre que l'orgueil et l'ego sont les principaux obstacles à la progression? Et que se trouver poche quand on pratique, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on a suffisamment de musicalité pour se rendre compte que quelque chose cloche. Merci, JP, tu as des belles questions. Gracieuseté, JP. C'est vrai, par exemple, l'orgueil, l'ego, écoute, c'est. Hein, puis ici, vous le savez, on le vit tous de monter sur le stage et de faire Hey my God! Pourquoi j'ai dit oui? Je suis félicite. C'est vrai, hein? C'est ça, l'orgueil, l'ego. Mais écoute, on le vit tous. Puis là, je vais faire une parenthèse semi-sexiste. OK? Mais moi, je suis en train de lire un livre super intéressant qui s'appelle Mindset de Carol Dweck. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça. Changer les états d'esprit. Puis, étonnamment, elle a constaté, c'est une éminente professeure aux États-Unis, elle a constaté que très, très jeune, les garçons et les filles vivent déjà des différences. Tu sais, un petit gars d'une classe, là, c'est étonnant. Hein? Puis la prof, tout le temps, Simon, assis-toi. Simon, tu déranges? Simon, un petit gars, il fait comme, la petite fille, là, elle dérange pas. Hein? Et la fois dans l'année qu'elle se fait dire, Sophie, oh! Puis là, toutes les amies font, oh! C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est souvent comme ça. Puis les petits gars, entre eux autres, c'est comme, ah, mon maudit niaiseux, t'es calme. Ils se traitent de toutes sortes d'affaires. Puis, hey, j'en mange, viens t'inquiète, ouais, quoi. Tu sais, les petits gars, entre eux, ils se traitent de toutes sortes d'affaires. Puis ils sont habitués. Les filles, ils font pas ça, là. Hey, la conne, viens nous, on va aller manger. Non. Hein? Dès notre jeune âge, là,
On vit ça comme fille. Les garçons, dès jeunes, sont habitués de se faire critiquer. Puis ils deviennent un petit peu plus... un peu plus habitués de se faire critiquer puis de faire « Hey, gars, je sais que c'est pas vrai, je suis cœur, là. » Mais nous, les filles, là, la fois dans l'année qu'on se fait faire « Hey! » On fait comme « Oh, man, je suis une merde. » OK? Fait que je me demande pourquoi que les filles avaient beaucoup de difficultés à l'improviser par rapport aux hommes. En général, il y en a, là. On a des exceptions. Mais les filles ont pas cette pièce de lâcher de l'os que les gars y ont. Puis je dis « Voyons, je suis pas sexiste, moi, dans la vie, mais il y a quelque chose là, là. » Puis je pense que ça vient de là, parce que les garçons, d'emblée, font comme un là, de la chenoute, mais ça, là, puis je me pèterai à gueule, puis c'est pas grave. Mais les filles, se mettent à gueule, c'est une grosse responsabilité, là. On a de la misère à se faire dire, hey, t'étais dans le champ, là. C'est dur pour une fille, en tout cas. Pour moi aussi, qui est une fille extrêmement perfectionniste, là. Fait que ça me demande beaucoup de travail. Fait que ça, c'est mon interprétation de ça, que je suis quand même d'accord que ça peut être plus difficile. À ce niveau-là, pour l'improvisation. Y a-t-il d'autres questions? On n'a plus de temps! Ah! C'est déjà ça! Ouais, je donne un 4 heures d'atelier. Une petite dernière question? Y a-t-il une dernière question? OK, ça a l'air complet. Bien, merci tout le monde! Merci vraiment, c'est ça.